La Fondation Jan Michalski est le résultat d'un intérêt pour la littérature et d'un engagement partagé avec mon mari Jan pour la défense de l'écrit. À sa disparition, j'ai souhaité réaliser cette utopie culturelle pour prolonger cette action. Cette mission ambitieuse se manifeste par l'attribution d'un prix littéraire international et la distribution d'aides et de subventions à des projets qui nous sont soumis. Nous avons aussi créé à Montricher un vaste bâtiment occupé par une bibliothèque ouverte au public, des cabanes destinées à héberger des écrivains en résidence et un auditorium où nous pouvons accueillir des manifestations en lien d'une façon ou d'une autre avec la littérature. Je suis traductrice de formation et je suis venue à la Fondation pour m'occuper notamment de la communication. Il est vrai qu'au début, la situation géographique excentrée de Montricher m'a surprise. Mais une fois que je suis arrivée sur le site, j'étais sous le charme. L'atmosphère y est unique, paisible, vivante et vraiment propice à la création. Aujourd'hui, la Fondation, c'est surtout toute une équipe qui s'emploie à soutenir l'ensemble des activités culturelles qui s'y déroulent. La bibliothèque est située au cœur de la Fondation. Elle contiendra à terme 80 000 ouvrages de langues et de provenances géographiques différentes. Cet espace est ouvert au public depuis janvier 2014. Nous présentons un panorama mondial de la littérature du XXe et du XXIe siècle, sans oublier les classiques. Pour moi, en tant que bibliothécaire, avoir eu cette opportunité de commencer une bibliothèque à partir d'une page blanche a été superbe. Le lecteur y trouvera de nombreux ouvrages en langue originale, ainsi que des traductions en français, ce qui incitera, nous l'espérons, le lecteur curieux à découvrir des auteurs étrangers peu connus. Dans la même idée, les bibliothécaires tiennent un blog. Sa vocation est de partager de manière conviviale des expériences personnelles de lecture. C'est aussi une façon de sortir des sentiers balisés pour ceux qui le souhaitent. En pénétrant dans ces lieux, donc dans la bibliothèque, le visiteur peut être dans un premier temps impressionné par la taille du bâtiment et le grand nombre de livres, mais s'y retrouve rapidement, il retrouve assez vite ses marques grâce au catalogue en ligne qu'on a mis en place. C'est un outil qui est consultable donc depuis le site internet de la Fondation, mais également depuis les ordinateurs que vous trouvez aux différents étages de la bibliothèque. Et grâce à cet outil, le lecteur va s'y retrouver facilement et savoir exactement à quel étage et à quel endroit il peut trouver son livre. L'atmosphère de la Fondation donc, dans la bibliothèque est assez particulière grâce au bois, à la lumière et aux petits espaces. C'est vraiment des endroits chaleureux et qui sont vraiment propices au calme et à la lecture. Je vois la Fondation comme un lieu ouvert sur le monde, comme un lieu de vie et d'échange qui cherche aussi à transmettre et à donner à voir la littérature. Pour ce faire, nous organisons et accueillons des expositions temporaires qui sont dévolues aux écrivains, à l'écriture et aux livres et qui sont ouvertes à tout public. Autour de ces expositions se tiendront également des conférences d'écrivains, des lectures ou des séminaires. Il y a également le volet moins connu des activités de la Fondation, celui des aides financières. La Fondation accorde son appui à des projets de qualité concernant la littérature au sens large. L'action de la Fondation s'inscrit dans la volonté de soutenir de manière engagée la culture et l'écrit, comme l'a toujours fait Jan Michalski de son vivant. Cela signifie qu'elle entend œuvrer à la promotion de la liberté de penser, d'écrire et de diffuser un savoir. Les moyens d'y parvenir sont multiples, comme nous l'avons vu, sans oublier l'existence du prix Jan Michalski. C'est nécessaire, mais sans doute insuffisant. C'est pourquoi nous avons la volonté de fonctionner en réseau avec d'autres institutions, suisses ou étrangères, théâtres, musées, universités et d'autres fondations. Soutenir et fédérer toutes les énergies au bénéfice de la littérature au sens large. Voilà l'ambition que la Fondation Jan Michalski se réjouit de partager avec le plus grand nombre.